Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Après l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo à Paris, ils étaient des foules de gens de tout statut, y compris des musulmans, à arborer le désormais fameux slogan « Je suis Charlie ». Cet acte terroriste avait quasiment monopolisé l'attention de tous les médias occidentaux, français tout particulièrement, en boucle pendant plusieurs jours. Et c'est très bien, oui, c'est très bien que le terrorisme sous toutes ses formes soit dénoncé avec la dernière énergie. Des politiciens, des intellectuels, des représentants de toutes sortes de la société civile en ont fait leur cheval de bataille, qu'ils ont fourché allègrement. D'autres, que je ne nommerai pas pour ne pas leur faire de la pub gratuite, n'ont pas craint de récupérer les cadavres des victimes qu'ils ont exposés sur des étals de haine. Et ils en ont profité pour enfourcher leur dada islamophobe, pour stigmatiser toute la communauté musulmane d'Occident. Tous pareils, affirmait-il en décrivant les musulmans, en gros et au détail, ces envahisseurs qui se baladent avec des poignards courbes entre les dents, qui rasent les murs, qui portent au plus profond de leur âme noire les germes de la violence et du mal, qui profitent de la sécu et des indemnités de chômage, qui lorgnent sur les églises qu'ils veulent transformer en mosquée. Ce fut le triomphe, l'exultation, la jubilation de la haine, une haine indiscriminée de l'islam et des musulmans, une haine décomplexée désormais, qui ne s'enrobait plus de formules et encore moins de manières. Les habituels hommes liges de la détestation étaient sollicités par toutes les chaînes de télé. Ils étaient partout à postillonner leur exécration, non pas du terrorisme, mais de l'islam et des musulmans. Sans façon, et à la bonne franquette, ils avaient table dressée et ils ne se sont pas gênés. Ils continuent de ne pas se gêner à ce jour. Après l'attentat terroriste de Québec, je n'ai entendu personne déclamer « Je suis musulman ». Où nous sommes tous musulmans. Je n'ai pas entendu. Il ne faut pas rêver non plus. C'est juste inimaginable. Pas même de la part de ces intellectuels musulmans ou qui se prétendent tels, qui hurlaient qu'ils étaient Charlie et qui là ont mis une sourdine. Mais, fort heureusement, cette islamophobie outrancière n'est pas partout chez elle. Au Canada, dans ce monde encore vierge de cette déferlante haineuse, même si tout est fait par des forces et d'autres pour l'inséminer dans les esprits, elle ne parvient pas encore à se déployer, à répandre son venin. Vous verrez dans un moment ce que furent les réactions de la classe politique et de la société canadienne. Vous entendrez des gens s'exprimer sur ces graves questions d'une façon grave, des gens qui s'impliquent, qui luttent contre le mal d'où qu'ils viennent et qui ont accueilli les musulmans en frères. Vous allez les voir tout à l'heure. Aujourd'hui. Le Figaro. Attentat à Québec. Le suspect accusé de meurtre avec préméditation, par Anne-Laure Frémont. BFM TV, fusillade à la mosquée de Québec. Trudeau condamne un attentat terroriste, par JC avec AFP. Le Journal de Montréal, aujourd'hui, le Québec est frappé par le terrorisme, par Marc-André Gagnon. Canada. La haine a frappé. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'aurai donc le plaisir de recevoir pour en parler
Depuis le Canada, Adel Jabbar, citoyen canadien à la retraite. Sofiane Schwitter, du Canada aussi, juriste. Hassan Moussi, du Canada aussi, économiste. Stéphane Lepine, citoyen canadien de Lanaudière. Et en France, au téléphone, Karimi Hanan, sociologue, Université de Strasbourg. Et nous allons commencer par recevoir Stéphane Lepine, qui est avec nous pour la première fois, que je remercie donc d'avoir accepté notre invitation. Stéphane Lepine, merci d'être avec nous. C'est un plaisir, monsieur. Merci. Alors, vous avez diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux qui ont littéralement cassé la baraque. Elles ont fait le buzz, ou le buzz, comme on dit. Et donc, vous affirmez toute votre sympathie pour vos compatriotes musulmans. Il y a beaucoup de Canadiens pur laine, comme on dit, qui sont dans la même attitude bienveillante que vous? Je suis certain que oui. Ça se discute pas beaucoup, mais je suis convaincu que oui. D'accord. Et alors, d'abord, votre sentiment sur l'attentat terroriste qui vient d'avoir lieu à Québec? C'est rien d'autre que terrible, inimaginable, insensé. C'est des choses qui ne devraient jamais, jamais, jamais arriver. C'est tout simple que ça. Il y a pas de mots. C'est trop gros. Oui. La société canadienne, fort heureusement, n'a pas encore été infectée par la pandémie, j'allais dire, islamophobe qui ravage les sociétés européennes. Mais certains signes sont tout de même alarmants. Certains groupuscules extrémistes s'attaquent à des mosquées qu'ils maculent de sang de porc. La même mosquée où a eu lieu l'attentat, ils y ont déposé une tête de porc il y a quelques jours. Des gens qui s'en prennent à des femmes qui portent le voile dans la rue et qui infestent les forums des réseaux sociaux de leurs invectives contre l'islam et les musulmans. Pensez-vous que cette haine pourrait atteindre la même ampleur qu'en Europe? Je souhaite que non. Moi, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que les gens qui posent de tels gestes, c'est tout simplement de l'ignorance, un manque d'ouverture, de la peur. C'est tout simplement véhiculé par ça. C'est de l'ignorance, tout simplement, c'est le manque d'ouverture envers l'autre. C'est rien d'autre que ça. Dans votre vidéo, celle que vous avez postée sur les réseaux sociaux, vous racontez votre voyage au Maroc, des amis canadiens comme vous, marocains, qui sont marocains mais qui sont devenus canadiens, et qui vous ont invité. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ce voyage, de cette découverte que vous avez faite, et d'abord des craintes que vous aviez avant de vous y rendre? Tout simplement, moi j'ai un compte Facebook où je fais des vidéos humoristiques, et puis j'ai mon ami Hassan Zawi qui demeure dans le nord du Maroc, qui est tombé sur une de mes vidéos tout simplement. On a discuté au fil du temps. Et puis, il me contait sa vie, je lui racontais la mienne. Et puis, j'ai découvert qu'au fil du temps, qu'il était cultivateur pour les oliviers, pour faire de l'huile d'olive, le caroube, la figue. Et puis, moi, je lui ai mentionné comme ça. Je lui ai dit, Hassan, je vais aller vous aider. Puis là, il m'a mentionné que le temps pour cultiver les olives, c'était dans le mois de novembre. Et finalement, j'y suis allé, mais avec des craintes, avec beaucoup d'histoires entourant ça. J'ai pris mon billet d'avion avec Royal Air Maroc. Je l'ai annulé dans la même journée avec les craintes de mes proches face à tout ce qui se passe dans le monde, avec les attentats, avec les enlèvements, tout ce qu'on entend. Les gens étaient inquiets pour moi. La peur m'a pris, moi aussi. J'ai annulé mon billet. J'ai parlé à Hassan sur Facebook, je lui ai mentionné tout ça. Il m'a dit « Voyons donc, Stéphane, fais pas ça, je te veux pas de mal, je suis pas un voyou, je suis pas un terroriste. » Moi, dans mon cœur, je le savais que c'était correct. Mon cœur me disait que c'était correct, que je devais y aller, mélangé avec toute la crainte qui m'entourait. Mais finalement, j'ai écouté mon cœur, j'ai repris mes billets d'avion et j'y suis allé du 16 au 23 novembre au Maroc. Dans le nord du Maroc, j'ai passé une semaine magnifique avec des gens en or, avec un cœur gros comme l'univers, des gens qui accueillent. Je me suis senti tout de suite de la famille, je me suis senti un des leurs et aujourd'hui, ben, je suis un membre de la famille, j'ai de la famille au Maroc. C'est aussi simple que ça. Ben justement, cette vidéo que vous avez donc diffusée
Elle a fait le buzz au sein des musulmans, de la communauté musulmane, un peu partout dans le monde. Mais les Québécois, pure laine, comme vous dites au Canada, les Canadiennes de souche, si on peut dire, comment ils ont réagi à votre vidéo? Pour être très, très, très sincère, j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs de Québécois. J'ai reçu beaucoup de demandes d'amitié sur Facebook. Mais majoritairement, j'ai reçu des demandes d'amitié de Marocains, d'Algériens, de la France. J'en ai reçu par milliers auxquels je n'ai pas encore eu le temps de répondre. J'ai reçu des messages d'amour incroyables de la part des musulmans. Je suis totalement renversé de tant d'amour. C'est inimaginable. Donc, pour répondre à votre question, oui, j'ai reçu de l'amour des Québécois, mais beaucoup plus du côté du continent, du continent européen et de l'Afrique. Stéphane Lépine, merci d'avoir fait ce témoignage en espérant vous revoir plus souvent dans notre chaîne. Merci et au revoir. Un gros merci à vous. Bonne merci soirée. Beaucoup. Merci, au revoir. Karimi Hanan n'est pas encore avec nous. J'espère que nous allons l'obtenir bientôt. Karimi Hanan, qui est sociologue donc, qui est à l'Université de Strasbourg. Et nous allons donc recevoir notre prochain invité, donc, qui sera Adel Jabbar. Est-ce que Adel Jabbar est avec nous? Adel Jabbar? Adel Jabbar? Oui. Ah, vous êtes avec nous, je ne vous vois pas. Vous êtes avec nous en Skype, en principe. Appelez-moi sur Skype, alors. Ah, on ne vous a pas appelé sur Skype? Non, vous m'avez appelé sur mon numéro de téléphone. D'accord. Je vais vous laisser un moment. Je vais prendre... attendez, restez avec nous d'abord pour une première question au téléphone et après, nous vous rappellerons... Nous vous rappellerons... Parce que le Skype, vous l'avez, je l'ai communiqué à oui, 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 oui. Nous allons prendre juste une question au téléphone, puis nous revenons vers vous. Alors, je vous ai rencontré il y a quelques jours au Canada. Vous m'avez très, très bien reçu. On a passé quelques jours ensemble. Vous m'avez fait découvrir la ville de Montréal. Et j'ai découvert avec un vrai émerveillement ce Canada magnifique, très beau, que vous m'avez montré. Vous m'avez montré aussi la communauté... musulmane au Canada qui est parfaitement intégrée. Et donc j'aimerais que vous m'en parliez, que vous nous en parliez un peu. Vous-même, vous vivez au Canada depuis une trentaine d'années. Oui. Et j'ai bien vu que vous étiez très à l'aise. Vous êtes vraiment comme un poisson dans l'eau à Montréal. Et vous m'aviez affirmé que vous vous sentiez vraiment dans votre pays, et non pas dans un pays d'accueil, et que vous l'aimiez, ce pays. Est-il plus facile de s'intégrer au Canada qu'en Europe? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas de sentiment d'être bien. Ici, je suis chez moi. Le seul sentiment que j'ai, c'est un sentiment de citoyen qui jouit de tous ses droits, qui est protégé par les lois de ce pays. La notion d'intégration telle qu'elle se pose dans la vieille Europe, et particulièrement en France, malheureusement pour nos communautés, ne se pose pas du tout de la même manière. Ce pays est, est une véritable terre d'asile, une terre d'accueil, une terre pleine de générosité. La charte des droits et des libertés du Canada, ainsi que celle du Québec, est une charte qui est spécialement établi pour la protection des minorités. Donc les gens, quand ils sont ici, quand ils sont minoritaires, ils se sentent des citoyens à part entière. Il n'y a absolument aucune différence entre celui qui est venu il y a un siècle et celui qui est venu il y a 20 ans. Nous sommes tous des citoyens, nous jouissons des mêmes droits, nous avons le même amour pour ce pays-là, et nous nous sommes tous sentis dévastés par ce crime odieux, cet attentat terroriste, qui n'est pas seulement dirigé sur une communauté de ce merveilleux pays, de la communauté musulmane en particulier, même si elle fait l'objet de stigmatisation depuis une dizaine d'années par l'intermédiaire ou par la voix de certains
politiciens de droite en mal de popularité, en mal d'électorat. Donc aujourd'hui, l'islam qu'on confond volontairement et odieusement avec l'islamisme et le terrorisme est devenu un fonds de commerce pour ces gens qui sont en perte d'audience et d'électorat. Le drame qui se pose ici aujourd'hui, c'est qu'on n'a que ça à faire. Il y a des chroniqueurs au niveau des journaux, il y a des chroniqueurs au niveau des télés, il y a des politiciens, comme je le disais, en mal d'électorat, qui sont en train de récupérer tout ce petit beau monde qui leur donne de l'audience, qui les écoute, pour venir frapper sur l'islam et les musulmans. Sinon, dans la rue ou en face de l'administration ou en face des autorités, nous ne ressentons nullement une espèce de discrimination, de racisme ou de rejet. Donc en termes d'intégration, la seule intégration possible ici, c'est l'intégration par le travail, c'est l'intégration économique. Quand les gens peuvent accéder à un travail, c'est terminé, ils sont citoyens. La meilleure preuve que je puisse donner, c'est les enfants. Quand ils arrivent ici, dans ce nouveau et merveilleux pays, au bout de 3-4 mois, ils deviennent des petits citoyens, parce que l'école est une école de la citoyenneté. Et il n'y a absolument aucune différence entre un Bengalais, un Canadien français, anglais, juif, grec ou algérien. Adel Jabbar. Nous allons vous laisser. On va vous reprendre sur Skype vers la fin de l'émission. Comme ça, nous allons clôturer avec vous les autres questions. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Et je vais à présent accueillir Karimi Hanan. Merci d'avoir accepté notre invitation, Hanan. Hanan, vous êtes avec nous au téléphone, je crois. Oui, c'est ça. Je suis au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais d'abord vous faire entendre les déclarations du Premier ministre canadien après l'attentat de Québec, puis la déclaration du Premier ministre du Québec. Parce qu'il y a un Premier ministre du Canada, qui est un État fédéral, et un Premier ministre du Québec. Et vous me direz ce que vous en pensez. Nous sommes ici ce soir pour démontrer que nous n'acceptons pas cette haine. Hier soir, la communauté à Québec a vécu une expérience qu'aucune communauté ne devrait jamais avoir à vivre. Un acte de cruauté et de violence indescriptible perpétré envers des gens rassemblés dans l'amitié et la foi. Les 6 hommes qui ont été tués et tous les autres qui ont été blessés ne représentaient pas une menace. Ils étaient des Canadiens ordinaires, comme nous tous. Des frères, des oncles, des pères, des amis. Ils n'ont rien fait pour mériter la violence et la haine dont ils ont été victimes. Les musulmans canadiens ont contribué à bâtir les communautés où on se sent chez nous. Ils sont propriétaires d'entreprises et créent des emplois. Ils enseignent dans nos écoles. Ils s'occupent de nous lorsque nous sommes malades. Les musulmans canadiens sont des membres estimés de toutes les communautés. Et peu importe où ils vivent, ils méritent de se sentir bienvenus et en sécurité. Ils sont ici, chez eux. Alors, maintenant, nous allons écouter la déclaration du Premier ministre du Québec, puis juste après, nous vous montrerons les images des victimes de l'attentat et je reviendrai à Karimi Hanan. Non à nos compatriotes québécois de confession musulmane. Nous sommes avec vous. Vous êtes chez vous. Vous êtes bienvenus chez vous. Nous sommes tous des Québécois. Asdine Sofiane, 57 ans, il était originaire du Maroc et commerçant. Asdine Sofiane était âgée de 57 ans, elle s'était installée au Canada depuis 30 ans et était devenue une figure emblématique de la communauté musulmane
de la ville de Québec. Il tenait une boucherie halal, mais il avait une formation de géologue. Il avait un doctorat en géologie de l'INRS. Abdelkrim ou Karim Hassan, originaire d'Algérie. Abdelkrim Hassan s'est installé au Canada depuis 6 ans. Âgé de 41 ans, il était analyste programmeur. Il était marié et père de 3 petites filles. Khaled Belkacmi. Khaled Belkacmi était âgé de 60 ans. Il était professeur à l'université Laval et enseignant au département des sols et de génie agroalimentaire et originaire d'Algérie. Membre de l'Institut de la nutrition et des aliments fonctionnels, il avait 2 doctorats en génie chimique. Marié, il était père de 3 enfants, dont un nourrisson. Aboubakar Tabti. Aboubakar Tabti était âgé de 44 ans, originaire de Tunisie. Il s'était installé au Canada depuis 6 ans. Pharmacien de formation, il s'était reconverti en agent de maîtrise dans une entreprise. Il était marié et père de 3 enfants. Mamadou Tanou Bari était âgé de 42 ans, originaire de Guinée. Il s'était installé au Canada depuis 6 ans. Il était comptable dans un centre commercial. Marié, il était père de 2 enfants. Ibrahima Bari. Ibrahima Bari était âgé de 39 ans, originaire de Guinée. Elle s'était installée au Canada depuis 6 ans. Il était informaticien au sein de la fonction publique. Marié, il était père de 4 enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je rappelle que ces personnes que nous venons de vous présenter ont été assassinées par une personne qui leur a tiré dessus au moment où ils faisaient la prière, et d'autres personnes sont grièvement blessées. Karim Hanan, vous avez donc entendu tout à l'heure les déclarations des premiers ministres, celui du Québec et celui du Canada. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça se passe aussi de la même manière en France? Alors, je suis désolée de vous dire, je n'ai pas entendu les discours. Il y a un problème technique qui a fait que je n'ai pas entendu les 2 discours que vous avez diffusés, et ni le portrait des... C'est vraiment dommage, je suis désolé, mais l'un dans l'autre, le Premier ministre canadien disait aux musulmans qui sont chez eux, qui les reçoit... qu'ils sont chez eux, au même titre que tous les autres Canadiens, et... Le ministre du Québec leur a apporté aussi toute son amitié, sa sympathie, sa solidarité d'une manière générale. Mais c'était des déclarations très fortes, et je voulais vous entendre dire vos commentaires sur ce qu'il déclare, parce que je vis moi-même en France et je n'ai jamais entendu des politiciens français faire de telles déclarations, en fait. Alors, par rapport à la différence qu'on peut constater ici en France, effectivement, on a bien vu aussi qu'après l'attentat dans cette mosquée au Québec, les messages de solidarité, de soutien et de tristesse finalement partagée ont été assez rares de la part des hommes politiques français et des femmes politiques françaises, et même des candidats présidentiels, parce que nous sommes en pleine campagne, pré-campagne présidentielle. Et donc effectivement, le message fort d'inclusion qu'on pourrait trouver par exemple dans la bouche de Trudeau aujourd'hui, c'est quelque chose qui, dans le paysage occidental de manière générale, si on compte les pays les pays d'Amérique, le Canada, la France, l'Europe, dans l'Occident, eh bien, c'est quand même une exception assez rare et remarquable qu'on entend aujourd'hui dans la bouche de ce Premier ministre. Mais vous ne pensez pas que l'islamophobie, telle qu'elle se décline en ce moment dans les classes politiques occidentales, pourrait s'essouffler un jour, qu'elle ne va plus être aussi rentable électoralement qu'elle a toujours été? Écoutez cette sortie de Benoît Hamon, candidat aux présidentielles françaises. Écoutez. Raciste, xénophobe, antisémite, islamophobe, a décidé sur Internet de changer mon prénom. Et donc,
Benoît Hamon s'est transformé, je veux les remercier, c'est un très joli prénom, hein, en Bilal Hamon. Et là, Karim et Hanan, vous avez entendu? Je présume que vous l'avez déjà entendu avant de venir ici. Hein, elle a fait le buzz, hein, cette déclaration de Hamon Bilal. Karim Hanan. Oui. Vous avez entendu cette déclaration de Bilal Benoît Hamon? Oui, alors le discours de Benoît Hamon a été aussi surprenant dans le sens où tous ces colibés qu'on envoie aux candidats des présidentielles en voulant les décrédibiliser en leur donnant un prénom arabe, eh bien lui, il a réussi à retourner ce qui, à la base, devait représenter une insulte, en appelant Bilal, en quelque chose de positif, où il affirmait justement la diversité qu'est la France, c'est-à-dire qu'il dit « on peut m'appeler Michel, on peut m'appeler Bilal et que j'en suis fier ». Et effectivement, ça a beaucoup plu pour les minorités en France. Et ça n'a pas été le cas de Ali Juppé? Non, ça n'a pas été le cas de Ali Juppé, ouais. Et je crois qu'il y a eu d'autres colibés dans ce sens-là, mais j'allais dire que celui qui a le mieux répondu à cette attaque islamophobe, en tout cas anti-arabe, qui est quand même de l'ordre du racisme anti-arabe, parce que l'islamophobie, c'est juste la continuité du racisme anti-maghrébin, ici en France en tout cas. Et donc voilà, il a réussi à en faire un atout finalement. Ce n'est pas seulement anti-arabe, c'est aussi anti-musulman, puisque le prénom aurait été choisi parce que Bilal était le premier muezzin, le mu'adhdhin, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, bien sûr. Non, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, la menace islamophobe, l'islamophobie française, comme elle se décline même dans la bouche de représentants de l'État, eh bien, c'est une continuité de ce que dans les années 80 était le racisme anti-maghrébin, sauf qu'il s'est popularisé, il s'est radicalisé en islamisant finalement les populations nord-africaines. En gardant par essence leur culture musulmane comme antinomique de la culture française ou européenne. Et donc, oui, effectivement, Bilal, c'est le premier mécène. Alors, on dit que cette sortie de Benoît Hamon a déclenché une sorte de mobilisation quasi inconsciente, hein, mobilisation électorale en la faveur de Hamon, justement. On dit qu'ils ont été très nombreux, les franco-musulmans, à avoir voté Hamon pour ça, quasiment. Est-ce à dire que cet électorat très diffus, hein, au demeurant, pourrait se cristalliser? Alors, il y a deux choses. C'est que effectivement, de la bouche d'un présidentiable, d'avoir un discours moins offensif vis-à-vis de l'islam, moins excluant, moins stigmatisant, effectivement, ça rassure. Donc, de ce fait, il mobilise une partie de l'électorat de ce mythique électorat musulman que tout le monde appelle de ses voeux parce qu'il aurait une force assez exceptionnelle. Mais on peut voir aussi la même chose lors des primaires de droite où il y a aussi beaucoup vous appelez ça les franco-musulmans aujourd'hui, bon, c'est les musulmans français en tout cas, qui sont allés voter contre Valls, et peut-être pour Juppé ou peut-être pour Fillon, j'ai fait un lapsus, contre Sarkozy, mais voilà, c'est aussi un vote d'opposition. Donc il y a les deux choses, c'est-à-dire de choisir quelqu'un qui fédère, qui semble fédérer dans son discours, mais aussi exclure ceux qui stigmatisent le plus les musulmans et qui leur font plus de tort au quotidien. Et comment expliquez-vous Hanan Karimi, cette hyper couverture des attentats terroristes quand ils ciblent des Européens, et inversement, ce traitement vraiment à minima quand ce sont des musulmans qui sont eux aussi victimes d'attentats tout aussi terroristes, en fin de compte.
Oui. Vous savez, la philosophe américaine Judith Butler avait écrit un livre à l'époque de la guerre en Irak qui s'appelait « C'est lui qui compte » et qui montrait finalement que effectivement il y a des vies qui compteraient moins à l'égard des Occidentaux que d'autres. Et c'est un peu ce que reprend le mouvement Black Lives Matter. C'est-à-dire que les vies des Noirs américains comptent aussi. Et aujourd'hui, en France, on peut déplorer la même chose. C'est-à-dire qu'un Noir ou un Arabe qui meurt, par exemple, sous les coups, sous la violence policière, on a eu le cas d'Adama Traoré cet été, ou d'autres cas, Amin Bentounsi, etc. C'est des affaires qui sont des affaires d'État, finalement. Eh bien, c'est des morts qu'on pleure moins que d'autres, comme vous le comparez, sans vouloir faire de hiérarchie, sans vouloir faire d'indignation sélective. Ce que veulent finalement les musulmans français, comme tout autre, c'est de pleurer pour les gens de Charlie, pleurer pour le père Hamel, mais aussi pleurer pour des musulmans qui seraient attaqués dans une mosquée au nom d'une idéologie raciste, qui est aussi finalement un discours de haine qui provoque ces dangereux terroristes. Mais à quoi cette discrimination, si je peux dire, dans l'émotion, dans le ressenti, est-elle due à un conditionnement des foules, à une presse orientée qui traite de façon délibérée les angles selon qu'ils concernent les uns ou les autres ? Disons que quand on fait partie d'une minorité dans un pays, je vous ai donné l'exemple des Noirs américains aux États-Unis. Ici, en France, ça va être les Noirs et les Nord-Africains. Eh bien, les descendants de Nord-Africains, qui sont tout aussi français que d'autres Français, mais la stigmatisation, le fait de les maintenir toujours comme étrangers à la société, c'est-à-dire qu'ils sont toujours d'ailleurs, eh bien, ça amoindrit finalement le sentiment d'unité nationale, de considération qu'en face de nous, eh bien, on a des personnes d'égale dignité, qu'on a des miroirs de notre humanité en face de nous. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on sent, qui est palpable dans le traitement médiatique, bien sûr, dans le traitement politique aussi des morts, du terrorisme, qu'il s'agisse de quelqu'un qui est blanc ou quelqu'un qui est racisé, c'est-à-dire qui a subi un processus de racialisation tout au long de sa vie. Et c'est quelque chose qu'on peut percevoir au quotidien. Karimi Hanan, merci beaucoup, en espérant vous revoir plus souvent à Al-Maghribiya. Merci. J'accueille à présent Sofiane Chouetar, que je remercie d'être avec nous. Alors, Sofiane Chouetar, pensiez-vous que l'islamophobie au Canada allait s'exprimer d'une manière aussi violente après les épisodes du sang pour maculer les mosquées, les têtes de porc qu'on déposait devant les portes? Est-ce que vous pensez que ça allait finir par dégénérer de cette manière? Vous savez, j'imagine l'attentat contre les musulmans au centre culturel islamique du Québec, on ne s'attendait pas. On sait qu'il y a de l'islamophobie, on sait qu'il y a des actes racistes et xénophobes contre les musulmans, mais on s'attendait, moi personnellement et beaucoup, on ne s'attendait pas que ce phénomène de l'islamophobie et du racisme va exprimer de façon terroriste en utilisant des armes de guerre, un AK-47 avec un autre pistolet Beretta 92F, tout ça, contre des gens paisibles, de paix, de foi, qui contribuent à vraiment au développement de la province du Québec. Mais après cet attentat, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'il y aura d'autres événements tragiques qu'on connaît? Je ne peux pas te répondre de façon claire et nette et de façon directe, mais le risque, le, le,
le risque zéro n'existait pas. Donc, nous avons un exemple. J'espère que ce sera un cas qui sera seul, parce que là, les politiques sur le plan provincial ou fédéral, les services de police, les municipalités, donc ils ont pris conscience, malheureusement, après ce drame, ils ont pris conscience du danger qui représente ce mouvement des fascistes, des néo-nazis. Mais quelles sont les causes, selon vous, de ce déchaînement de violence? Quelles sont les causes profondes? Alors, il y a beaucoup, vous avez, dans votre introduction, vous avez parlé de le plus important, le développement des discours islamophobes, la populiste, démagogue, qui existe en Europe, qui influence aussi ce qui se passe aussi au Québec, l'élection d'un raciste et d'un populiste démagogue Trump aux États-Unis. Et puis, il y a une spécificité aussi, il faut reconnaître la spécificité de la province Québec au niveau du Canada. Il y a aussi ce qu'on appelle certains nationalistes qui ont toujours un problème, qui croient que toujours qu'ils sont sous occupation anglaise, qu'ils veulent l'indépendance de province, que leur identité elle est en danger. Donc, ils ont aussi ce regard de dire que les immigrants, cette immigration massive va jouer aussi à détruire donc, notre identité culturelle qui est en danger à la fois par les anglophones et par les immigrants de d'autres régions. Donc c'est un ensemble d'éléments qui... Et puis aussi, malheureusement, ce qui se passe aussi dans les pays arabes et musulmans, les conflits armés, là, et certaines, ce n'est tous les grands médias, les journaux, ils ont pas vraiment de façon claire et nette analysé les réels et les causes de la violence qui existe dans ces pays-là. Est-ce que de façon préméditée ou non, je ne sais pas, mais on donne une certaine image que les musulmans, ce sont des gens violents par leur nature. Donc ça a encouragé les islamophobes à instrumentaliser ce genre d'analyse d'experts et de politiciens, etc., à alimenter le discours. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont encouragé cette montée. Puis aussi, comme tu as bien parlé dans l'introduction, c'est que le discours islamophobe, raciste, xénophobe, il est devenu décomplexé, tu vois. Il est devenu décomplexé. Et on n'utilise plus maintenant même pour qualifier ces actes. Vous savez, quand on cible un groupe sur la base de sa religion, de sa race ou de son ethnie, et avec l'intention de détruire une partie ou tout de ce groupe là, racial ou religieux ou ethnique, c'est du génocide. Vous n'êtes pas obligé d'éliminer tout le groupe, mais si vous avez l'intention de tuer un musulman, dans l'intention de détruire tous les musulmans, généralement, de la convention de la prévention et de la répression du crime de génocide, c'est un génocide. Si tu tues un juif sur la base de sa religion, dans l'intention de détruire tous les juifs ou une partie des juifs, c'est du génocide, etc. Et il ne faut pas avoir peur ou complexité d'utiliser justement cette qualification, malgré que pour le Premier ministre du Canada et du Québec, à juste titre, ils ont qualifié cet acte de terrorisme. Ça démontre aussi que le terrorisme, ce n'est pas une spécificité des groupes qui viennent du Moyen-Orient, mais aussi des groupes blancs qui sont capables de commettre vraiment des actes horribles et qualifiés de terrorisme. Voilà, donc c'est un ensemble qui a encouragé les événements de ce qui se passe en Moyen-Orient, les médias qui encouragent ce discours, mais qui ne donnent pas la vérité, c'est-à-dire l'analyse véritable, très compétente de ce qui se passe réellement, pourquoi les causes de la violence qui existent actuellement dans les pays musulmans ou dans le monde arabe, ou arabo-musulmans, etc.
Et puis aussi, et c'est à nous aussi, nous avons une certaine part de notre responsabilité, c'est à nous aussi de dialoguer, de mieux expliquer à ces gens-là. Parce que moi, au Québec, j'arrive à la conclusion qu'il y a deux sortes de islamophobes. Il y a des... Ce sont une minorité, hein. Moi, pour moi, c'est peut-être une minorité de gens au niveau de Québec, même s'ils sont capables, s'ils ont commis un crime, sont capables de faire des dégâts, mais ils sont minoritaires. Alors, mais il y a deux sortes d'islamophobes. Il y a des islamophobes qui sont de mauvaise foi, qui connaissent la vérité de ce qui se passe réellement, si les musulmans sont en danger, si on veut conquérir, si on veut détruire effectivement ou non. Et il y a des islamophobes par de bonne foi. C'est des gens qui sont ignorants, ils ont été manipulés par les médias, par un discours des politiciens, par des chroniques, par des radios locaux qu'on les appelle ici des radios poubelles, etc. Quoi. Et c'est à nous justement de mieux expliquer à la fois notre religion, de faire des programmes d'ouverture. Par exemple, il faut que les mosquées jouent un rôle d'ouverture, d'accepter les non-musulmans, de visiter les mosquées, d'ouvrir un dialogue, de leur expliquer vraiment l'islam, notre civilisation, notre contribution à la civilisation arabo-musulmane dans l'épanouissement de l'humanité, etc. C'est à nous aussi de notre... nous avons notre responsabilité aussi. Merci. De ce qui se passe. Merci, Suen Schwetter. Au plaisir donc de vous revoir parmi nous. Et j'accueille à présent Hassan Moussi, économiste qui vit lui aussi au Canada, que j'ai rencontré récemment durant mon récent séjour au Canada. Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Bonjour Jamal, merci. Bonjour. À vous pour l'invitation. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci. Alors, Hassan Moussi, d'abord votre sentiment sur cet attentat terroriste. Jamal, je n'ai pas eu la chance peut-être d'écouter vos intervenants, je ne suis pas face à ma télévision, je suis un petit peu loin. Bon, sinon d'abord, d'emblée, je vais essayer d'être pragmatique et rapide à Jamal. Pourquoi, pardon, Hassan Moussi, parce que vous captez le Maghrebia par télévision? Je pensais que... Eh ben oui, le Maghrebia est capté partout à Jamal. Moi, moi je sais qu'elle système... est captée, mais je pensais qu'elle était captée par câble, internet, vous la captez donc chez vous à la maison? Non, je la capte. Oui, il faut Internet, effectivement. Il faut Internet. Internet seulement, hein. Avec laquelle nous la captons. Ceci dit, oui. Ceci dit, Jamal, moi, je vais, encore une fois, ma pensée va droit aux 6 victimes, donc, pour leur dire toute ma sympathie, mes condoléances. Et puis, nous sommes de tout cœur avec eux. Et puis, donc, prendre établissement aux 4 blessés graves. Vous savez, la bêtise, l'ignorance d'un cliquement de doigts dimanche passé, résultat des courses, 6 morts innocents qui n'ont absolument rien fait, des personnes brillantes, c'est des chercheurs, c'est des universitaires, c'est des travailleurs intègres au Canada, par la faute d'un je dirais un imbécile, c'est pas grave, et puis 5 veuves et 20 orphelins. Voici le gros, l'image, le zoom. Maintenant, Jamal, vous savez, il faut être un grand. Il faut être un grand pour gérer le Canada. Le Canada, de par sa géographie, est vaste et diversifié. Vous savez qu'après la Russie, c'est le deuxième territoire en termes de superficie. C'est 10 millions de kilomètres carrés. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous dire l'importance d'être à la tête de ce pays-là pour pouvoir le gérer et le sécuriser. Il est grand. C'est 10 millions de kilomètres carrés. C'est l'équivalent de l'Europe tout entière, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas un petit peu la géographie du Canada. C'est 4 fois, je dirais, c'est 41 fois le Royaume-Uni. C'est 10 super provinces. C'est 3 grands territoires. Tous, chacun d'eux avec une spécificité. C'est une population de près de 40 millions d'habitants à Jamal. 20% sont venus de l'extérieur. 6 millions de Canadiens à Jamal ont la peau noire. 1 million de musulmans au Canada. 500 000 vivent à Montréal. Je dis bien 500 000 musulmans vivent dans la seule île de Montréal. 100 000 vivent dans la belle ville du Québec, là où s'est produit l'attentat du dimanche. Juste, encore une fois, pour vous montrer combien il faut être sérieux, compétent et responsable pour gouverner un pays de telle envergure.
et assurer, si vous voulez, sa sécurité, puisque c'est de cela dont il s'agit. Encore une fois, Jamal, si je vous prends deux petites minutes, allô Jamal, vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend très bien, poursuivez. Vous savez, le Canada, encore une fois, le Canada n'est pas la France, entendons-nous bien. Les éléments qui évoluent, si vous voulez, les gens qui évoluent dans la mouvance d'extrême droite ont pratiquement totalement disparu des espaces d'action ici au Canada. Il n'y a pas, il n'y a pas vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas d'extrême... d'extrémistes de droite au Canada ? Non, c'est pas ce que je dis, Jamal. Oui. Il se pourrait qu'il y ait des poches pas consistantes de ces extrémistes-là, ça et là, mais il demeure qu'elles n'activent plus. Mais cela ne signifie pas que le racisme, l'intolérance et les préjugés ont disparu avec eux. C'est parce que, encore une fois, le gouvernement a des règles transparentes et bien établies, des lois au-dessus de tous, une justice indépendante et impartiale qui font que la société canadienne est, je dirais moi, parmi les sociétés qui fonctionnent le mieux au monde. Je ne dis pas avec un risque zéro en matière de sécurité publique, mais avec un minimum de risque, je dirais oui. Ceci dit, Jamal, nous assistons, comme l'a si bien dit, j'ai réussi à écouter la dernière intervention de notre ami Schulter, qui a bien expliqué un petit peu le phénomène. Nous assistons malheureusement à une stigmatisation des musulmans partout dans le monde, notamment en France depuis 2001. Et c'est donc toutes ces images et informations, tous les malheurs qui se passent ailleurs, qui sont diffusés, que l'on voit, que l'on écoute, à force du temps à Jamal, je dirais moi, on finit par arriver à atterrir, et à atterrir même ici chez nous au Canada, pour contaminer la société d'ici, et je dirais même renforcer les stéréotypes et les préjugés. C'est moi aussi. Bien sûr, possiblement par plaire et par booster un peu certains réactionnaires, certains extrémistes dont je parlais tout à l'heure. C'est moi aussi, justement. Il faut dire aussi à Jamal qu'avec, comme l'a si bien dit notre ami Schwitter, avec les blogs, Internet, médias sociaux où l'information circule vite. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous écoute. Très bien. Alors, avant de revenir à Adel Jabbar, qui attend donc de passer à son tour, une dernière question à Sen Moussi. Vous qui parlez de contamination, oui. est-ce que le discours politique du président américain et les décisions très, très islamophobes, hein, pour le moins, qu'il est en train de prendre, est-ce qu'ils ne vont pas avoir un effet boule de neige chez vous au Canada ? Un effet d'entraînement ? Effectivement, oui, je disais que, en plus que nous assistons malheureusement à travers le monde, je parlais de stigmatisation des musulmans partout dans le monde, notamment je disais en France depuis 2001. Et donc je parlais de toutes ces images que nous recevons à grande vitesse, etc. Plus l'effet Trump, effectivement. Il y a les blogs, il y a Internet, il y a les médias sociaux, il y a les blogueurs, certains blogueurs qui planaient à très basse altitude dans les réseaux sociaux en faisant dans l'insulte et des propos haineux, comme il y a malheureusement, comme l'a si bien dit Twitter, des radios poubelles, même ici au Canada, et qui font dans l'islamophobie, dans l'arabophobie, et qui font aussi l'immigraphobie, ok, quand l'immigration, ces radios n'arrêtent pas, elles aussi à Jamal, de renforcer les stéréotypes et les préjugés, et vont jusqu'à donner la parole, souvent, à une catégorie de journalistes qui n'ont malheureusement aucun sens de la morale, ou de déontologie. Senmoussi, merci beaucoup. Merci, au plaisir de vous revoir ici. Merci. Je reviens à Adel Jabbar. J'espère que le problème du Skype a été réglé. Adel Jabbar, vous êtes avec nous. Très bien. Alors, nous revenons à vous. Vous êtes au Canada depuis une trentaine d'années, si je ne m'abuse. Hein. Absolument, oui. Voilà. Alors, d'abord, parlez-nous, avant de revenir à cette tragique affaire, de ce qu'est votre vie, la vie de la communauté. Moi, j'ai été stupéfait
de découvrir la communauté maghrébine et musulmane d'une façon générale au Canada, qui est d'un très grand niveau. La plupart des gens sont diplômés d'études supérieures. On a été, vous et moi, visiter ce fameux quartier Jean Talon, c'est ça, qui est un peu l'équivalent du Barbès parisien, mais il est très propre, pas de papier gras par terre, les gens qui étaient très propres, les cafés qui étaient très propres, c'est incroyable. Alors, donc, cette communauté maghrébine et musulmane d'une façon générale, comment elle vit, comment elle s'est adaptée, comment elle est perçue? Non, ce qu'il faudrait comprendre d'abord, c'est que le Canada et le Québec en particulier ont des politiques d'immigration qui sont extrêmement sélectives, très choisies. C'est un petit peu le discours qui avait été tenu en France par Sarkozy pour parler d'immigration choisie. Le Canada, c'est des critères de choix et de sélection qui sont extrêmement sévères. Il faut rentrer dans un Canada. Et puis, généralement, les gens ont accès au Canada. Les gens qui sont ici, les gens qui viennent émigrer, ils le font d'abord par choix. Ce n'est pas des gens qui viennent à l'aventure, c'est un choix, c'est une acceptation, c'est un contrat avec un État. Et donc, les gens, quand ils débarquent, ils savent à quoi s'attendre. Les caricatures ou les images que nous avons de la France sont complètement incompatibles, elles n'existent pas ici. Ce pays-là est un pays qui est ouvert à tout le monde. C'est un pays qui est basé sur des minorités. Tout un chacun est le bienvenu. Cette terre est une terre de générosité, c'est une terre d'accueil, c'est une terre d'asile, c'est une terre d'une grande solidarité et d'une immense ouverture. Les gens viennent de partout dans ce pays-là. C'est un pays de peuplement. Donc on est loin des schémas classiques des États-nations comme en France ou en Italie, etc., où l'étranger est perçu comme... un ennemi. Mais il y a quand même, Adel Jabbar, il y a quand même des actes islamophobes, des comportements, des attitudes islamophobes, notamment contre les femmes qui portent le voile islamique. Je ne pense pas qu'il faut tomber dans la caricature. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils sont extrêmement marginaux. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils sont très sévèrement sanctionnés par la loi. La loi est très claire à ce sujet. Le racisme est un crime. La xénophobie est un crime. On vient de voter à Ottawa, au niveau du Parlement fédéral, une motion faisant porter l'islamophobie au même titre que l'antisémitisme ou le racisme. Donc, il y a, je ne dis pas qu'il y a des intelligents et des idiots d'un côté ou des bons et des mauvais d'un côté, c'est une société avec tous ses courants de pensée, sauf qu'au niveau officiel, nous n'avons pas des gens qui s'affichent ouvertement d'extrême droite. On avait un parti conservateur qui a géré le pays pendant presque 10 ans, mais nous n'avons jamais senti cette pression. Cet étouffement en direction d'une communauté quelconque, qu'elle soit hindoue, musulmane, etc. Les musulmans sont des citoyens à part entière, comme tout le monde. Gens qui vivent à Québec et qui sont, ou qui seraient, semble-t-il, au nombre de 6000 musulmans, c'est des gens qui sont parfaitement intégrés, c'est des citoyens à part entière. Je pense que 80% de ces gens-là sont dans cette ville de paisible et cette ville de paix depuis au minimum une vingtaine d'années. Il s'agit généralement de gens qui sont partis faire des deuxièmes et des troisièmes cycles à l'Université Laval de Québec, qui se sont installés, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont eu des mariages mixtes avec des Québécois de souche, pour revenir à la société québécoise et à la société canadienne. C'est une société d'un pacifisme absolu. Les Québécois sont d'une générosité, d'une ouverture d'esprit et d'une gentillesse totale. Adel Jabbar, restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Nous allons prendre une déclaration de M. Samir Jaja, représentant du centre islamique où a eu lieu l'attentat. Samir Jaja, merci de nous avoir rejoints. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire donc sur cet attentat?
Petite rectification, je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas un responsable, donc je suis un membre actif, donc je parle pour moi-même. D'accord, très bien. Je suis responsable sur ce que je dis. Très bien, puis, je suis très proche avec le conseil d'administration, mais je ne suis pas vraiment le porte-parole. Pour le moment, je suis à l'aide à tout le monde. Donc la question, s'il vous plaît. Alors la question, d'abord, parlez-nous donc cet attentat, des conditions dans lesquelles s'est produit cet attentat terroriste. Ben pour les conditions, est-ce que vous parlez des faits, comment ils sont... Oui, les faits, tout à fait, les faits. Comment ça s'est passé? Ben les faits, je pense que la version, les versions qui circulent sont pas mal, ça concorde beaucoup. Puis donc, c'est quelqu'un qui a entamé un crime envers les musulmans, un acte terroriste, on appelle ça. Et puis, c'est ça, les victimes étaient des musulmans. Malheureusement, il a pu tuer 6 personnes et heureusement aussi, il n'a pas pu atteindre, venir dans le temps où la prière se faisait, donc il est venu un peu en retard. Il y avait une arme, je ne sais pas si c'est un Kalachnikov ou quelque chose qui ressemble à une grande arme de guerre qui était bloquée, il n'a pas pu l'utiliser, donc il s'est servi de son 9 mm. C'est ça, donc les faits, vous les connaissez, il rentrait à la mosquée, il a tué des Guinéens, il a continué à tuer d'autres frères, deux Algériens, un Tunisien, puis deux Guinéens. Et puis par la suite, on souligne aussi le geste de notre frère Allahyarhamou Al-Din qui s'est donné la vie pour empêcher le tueur de faire plus de dégâts. Qu'Allahyarhamou Al-Salih, mais comme je dis, je peux pas, un appel téléphonique ne suffira pas pour raconter tous les détails. Combien il y a de blessés? On dit qu'il y a encore des blessés dans un état assez grave, assez sérieux. Dans les blessés, je vais un peu, je peux pas me prononcer sur les noms, c'est leur vie privée, mais il y en a 5. Deux états légers qui sont sortis, hein, une balle dans l'épaule, quelqu'un qui est dans la balle dans une jambe qui est aussi a voulu enlever l'arme du tueur, de la main du tueur, donc il était reçu de balles. Et puis les trois autres cas, un qui est sorti de l'état critique, puis il est sorti de service intensif, il reste deux qui sont dans un état grave, mais pour le moment stable. Merci beaucoup Samir Jaja. Je reviens à Adel Jabbar. Adel Jabbar, d'abord une question. Fox News, le média américain, le méga média américain, a publié sur son fil Twitter que l'un des assaillants, des terroristes, était marocain. Il s'est avéré après que c'était faux. Pourquoi, à votre avis, juste après l'attentat, c'était quelques minutes après l'attentat, pourquoi une telle information a-t-elle circulé sur Fox News? Ben, Fox News est un média qui fait partie des médias que je traiterai de médias poubelles. Deux minutes après qu'on ait appris qu'il y a eu ce sanglant attentat terroriste, au niveau des réseaux sociaux, les noms de deux personnes ont apparu, parmi eux le principal suspect qui est actuellement aux arrêts, et un nom marocain, d'un jeune marocain qui était en train de secourir des blessés. Je vous annonce que le gouvernement du Canada a élevé une plainte très sérieuse contre Fox News pour lui dire de retirer cette information-là. Je ne sais pas si ça a été fait au jour d'aujourd'hui, mais hier, à Ottawa, on a dit à Fox News d'enlever cette fausse information pour ne pas encore induire en erreur des gens. Aujourd'hui, et malheureusement depuis une vingtaine d'années, moi je le remarque depuis 2001, il y a eu cette tendance à la diabolisation qui s'est faite. Au Québec, particulièrement depuis 2007, nous sommes en train d'assister à un discours exclusif porté par des politiciens du Parti québécois, qui à l'époque était un parti nationaliste, social-démocrate, très progressiste, etc. Mais au fil du temps, avec les pertes de l'électorat, avec l'essoufflement de la question nationaliste, on a sauté sur autre chose en 2007.
Et puis, on a commencé à porter sur la place publique la question identitaire. La question identitaire, elle concernerait qui? Il faut bien trouver un ennemi. Ça fait partie des discours de l'extrême droite française, européenne, etc. Un seul ennemi, c'est l'islam. Et on fait des raccourcis extrêmement, comment dirais-je, des raccourcis faux pour confondre l'islam et le terrorisme. Pourquoi nous en sommes arrivés là avec ce discours totalitaire depuis 2007? Parce que c'était pour des raisons tout à fait électorales. En 2008, nous avons eu une grosse question sociétale qui s'était posée dans la province du Québec, c'était la question des accommodements raisonnables. Qui Là, Adel Jibbal, je vais être obligé de vous interrompre, malheureusement, on est pris par les temps, mais nous y reviendrons, je vous le promets, parce que c'est une question très très importante dont il faudra parler et nous vous inviterons avec plaisir pour revenir nous en parler, d'autant plus que vous avez écrit sur la question. Je reviens à Samir Jaja qui vient de déclarer à la régie qu'il voudrait s'exprimer au sujet de cette histoire de Fox News qui a publié sur Twitter que l'un des assaillants était marocain. Je vous en prie, Samir Jaja, très brièvement. Donc ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je ne peux pas appeler vraiment ça une occasion, mais c'est pour la première fois qu'un terroriste, non pas musulman, je veux dire un terroriste qui n'est pas soupçonné de musulman, c'est-à-dire ils ont cherché tout pour que impliquer un musulman à l'intérieur, quand il s'est avéré que le Marocain il était vraiment là, il était juste en train de sauver sa peau, la presse canadienne ou ailleurs, ils sont fait dévoiler, donc ils n'ont pas pu que rentrer dans la vague de compassion avec les musulmans. Donc je trouve qu'avec cette occasion, il ne faut pas laisser passer ça comme ça. Il y a beaucoup d'acquis qui doivent être réclamés sur le droit des musulmans, sur que ça peut... Ça, les musulmans n'est pas forcément un terroriste. Il faut vraiment... Merci Samir Jaja, je suis désolé. Je suis désolé de devoir vous interrompre. Merci beaucoup. Nous allons finir avec une petite vidéo de très peu de temps où vous allez écouter Madame Veuve désormais, Hassan Louisa, l'épouse de l'une des victimes. Abdelkarim Hassan. Je vais dire à mes filles qu'ils vont plus voir leur papa. Qui va sortir avec eux. Des fois, il sort manger avec eux. Et... Bonjour, vous êtes bien chez Abdelkarim Hassan et Louisa Mohamed Saïd. C'est sa voix. J'ai pas de haine, je sais pas. Moi, je cherche juste après mon mari. Ça ne m'intéresse pas. Et cette personne-là, c'est comme si après, ça y est, c'est trop tard. Moi, c'est mon mari qui m'intéresse parce que c'est le papa de mes enfants. C'est ça qui c'est important pour moi. C'est mes enfants. Quand on est venu ici, il y a pas mal de personnes qui nous ont aidés. Et là, on a dit, maintenant, c'est notre tour d'aider les gens. Alors, on a aidé pas mal et on est content et fiers. C'est quelqu'un de correct, de honnête, de direct, de... Il a beaucoup aidé les gens, on a beaucoup aidé pas mal de personnes depuis qu'on est là. Ouais. Voilà, alors c'est vraiment Canada a perdu une bonne personne. C'est triste. C'est un bon bosseur là qui travaille, qui aime la vie, la joie de vivre, voyager, vivre avec ses enfants, voyager avec les filles. Alors ils ont envie un papa de trois. Voilà, je suis désolé de nous avoir largement débordé sur le temps. Je suis désolé pour le programme qui vient après. Je voudrais remercier tous mes invités qui me pardonnent de ne pas les citer l'un après l'autre et vous remercier, vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.